Non mais les gars, vraiment, Eto, j'ai l'impression qu'il est devenu complètement fou les gars. Vraiment, j'ai l'impression là, il a craqué. Il a perdu pour moi toute sa, sa crédibilité, il l'a perdu. Toute sa légitimité, il l'avait perdu. En tant que président de la fédération camerounaise, là pour moi déjà qu'il n'a pas beaucoup de crédibilité dès le début, avec son traitement par rapport à sa gestion de Rigobersong, le fait qu'il choisisse song le fait que on savait très bien pourquoi il l'avait choisi, ça on reviendra plus tard dans cette vidéo par rapport à ça. Mais tout ça pour dire les gars aujourd'hui là, quand je vois les images de ce qui s'est passé au Cameroun avec Samuel Eto'o, je me dis, là, clairement, le mec, le mec a craqué. Le mec a complètement pété un câble. On va voir, on va voir ensemble les images. Mais tout ça pour vous dire, les gars, que, à la base, je suis totalement avec Eto'o dans cette histoire. À la base, bien sûr que je suis le premier à le défendre, et j'ai été le premier à le défendre quand on avait entendu que, justement, c'était le gouvernement camerounais qui avait choisi le nouveau sélectionneur du Cameroun. J'étais le premier à dire que c'était une dinguerie, que c'était inacceptable et que c'était un manque de respect envers Eto'o. Là, pour le coup, j'ai défendu totalement Eto par rapport à ça. C'est pas normal qu'aujourd'hui, le président de la République camerounaise, il choisisse le, le prochain sélectionneur du pays. J'avais même pris comme exemple à l'époque, c'est comme si demain Macron choisit le nouveau successeur de euh, Didier Deschamps, le jour où Didier Deschamps euh, partira. Et là, c'est exactement la même chose. Donc, c'est pour vous dire que, à la base des bases, le fait qu'aujourd'hui, ce nouveau sélectionneur arrive sans vraiment le consentement réel de Samuel Eto, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable et par rapport à ça, Eto, il a tout tout mon soutien, j'ai envie de vous dire. Mais que juste derrière, il réagisse comme ça, que juste derrière, il montre ce manque de respect justement envers ce sélectionneur-là, qui pour le coup, ben, il, a, il a rien à voir là-dedans en fait. Ce sélectionneur, le sélectionneur belge qui est arrivé là, pour le coup, voilà, il a été choisi par le gouvernement camerounais et lui, voilà, il a eu une proposition de, de contrat. Pour entraîner la grande équipe du Cameroun, bien sûr qu'il va accepter. C'est pas lui le problème. Et justement, quand on voit les images de comment Eto lui parle, comment Eto lui manque de respect et tout ça, je me dis c'est pas acceptable, les gars, c'est très grave. C'est très grave, vraiment. Là, Eto perd toute sa, sa, sa crédibilité, sa grandeur. Le respect qu'on pouvait avoir pour lui par rapport à ça en tant qu'homme, il est en train de le perdre complètement là. Le mec, il a le pouvoir qui lui est complètement monté à la tête. T'as vraiment l'impression de voir vraiment une parodie. Vous voyez, vous avez déjà vu le film Le Crocodile du Botswana? Quand tu un dictateur africain justement qui a pris le pouvoir et qui se sent supérieur à tout le monde, qui prend tout le monde de haut et tout ça, c'est exactement. Moi franchement, là j'ai l'impression de voir Samuel Eto là pour le coup. Et pourtant, au début, tout s'est bien passé. Je vous la vérité, au début, il n'y a aucun problème. Là donc Eto il rencontre justement la personne qui a été envoyée par le ministre des Sports camerounais. Au début, tout est bien. Je de respecter voilà, il lui fait quand même un avertissement. Il dit ouais, voilà, vous êtes les bien, vous êtes les bienvenus, mais respectez quand même la fédération camerounaise, respectez-nous un petit peu en tant que président de la fédération camerounaise. Il n'y a pas de problème. Au début, c'est normal. Ils n'allaient pas s'accueillir l'un dans les bras de l'autre avec ce qui s'est passé. Bref. C'est un petit peu en train de monter en tension, voilà, mais ça reste toujours cordial. Là, pour le coup, là, eto totalement raison et là pour le coup je suis tout à fait avec lui il n'y a pas de problème là-dessus encore une fois là encore une fois éto il est complètement dans ses droits le mec il arrive il lui met un coup de pression il dit non vous ne travaillez pas il lui laisse pas faire son travail à ce moment là si éto s'énerve c'est normal c'est légitime on continue Parce que... J'ai une instruction déjà Voilà, jusqu'ici c'est parfait. Jusqu'ici, Eto, il est parfait, il est irréprochable. Là maintenant, il va rencontrer les sélectionneurs, le nouveau sélectionneur du Cameroun, le, le, le fameux sélectionneur belge, avec qui il va rencontrer au début, sans problème encore une fois. Bienvenue chez vous. Voilà, il lui dit même qu'il est le bienvenu, il lui parle avec respect, avec bienveillance, il l'accueille avec. Euh, avec classe, on peut le dire. Donc, franchement, c'est là où, je, en fait, je suis frustré, c'est que le début de cette vidéo, t'as vraiment l'impression que Eto il est irréprochable. Et pour moi, c'est le comportement qu'il devait avoir quasiment du début à la fin. Au début, voilà, tu le vois, il, il fait son travail, il travaille en tant que diplomate, et à la fin, il a pété un boulon. Attendez, on continue, les gars. Ça va bien. Il va venir ici. C'est fort. Tu sais ça très bien. très bien. Voilà, il va saluer tout, tout le staff, donc le, le sélectionneur et le staff. Voilà, jusqu'ici, pas de problème. Mais c'est là où il, il va commencer à flancher. Voilà, donc là, il va saluer le staff, il va saluer tout le monde avec le sourire, avec le respect, avec toute, cla toute la classe possible. Là, il n'y a pas de problème. C'est juste là, maintenant, où il va commencer un petit peu à s'énerver, où il va vraiment monter en tension. Dérangent pas mon lieu de travail, et vous me connaissez très bien. Et... Voilà, là, il s'adresse encore une fois Ici, vous... au gars qui a été envoyé par le ministre des Sports du, du Cameroun, en lui disant, voilà, ne me dérangez pas, je suis en train de travailler. Là, encore une fois, là, il s'énerve, il s'énerve vraiment. Mais là, il a raison. Pour moi, là, il a raison. Quasiment tout le comportement qu'il a pu avoir avec, euh, avec lui, franchement, là, je peux que être d'accord avec Eto quasiment. Parce que là, vraiment, c'est un gars qui veut justement intervenir pour l'empêcher de faire son travail. C'est tout à fait normal qu'il s'énerve. N'importe qui se serait énervé à sa place, ça aurait été légitime. Donc là, voilà, qu'il s'énerve, il n'y a pas de problème. On continue. Vous n'avez pas sa parole. Monsieur quand je viens Ditto, au ministère, Monsieur je vous respecte. Ditto. Il est même cohérent, en fait. Quand il dit, voilà. Moi, quand je viens chez vous, au ministère, je respecte votre travail, je vous laisse travailler. Mais vous, donc là, vous venez chez moi, à la fédération, respectez-moi aussi. Donc encore une fois, je vous dis, il s'énerve en étant lucide, en, la... en ayant la tête sur les épaules. Ici, je vous suis, vous suis le seul patron, et vous ne le faites pas, Monsieur Zolo. C'est de la, avez... la dernière fois. Je vous interdis de lever le C'est la dernière fois, Monsieur Zolo. À plus longtemps. Moi, la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, Monsieur le sélectionneur. Voilà, voilà. Encore une fois. Pas de problème, même s'il si s'est énervé, même s'il si a perdu un petit peu le, le sourire qu'il avait juste avant, la petite, la, la petite classe qu'il avait juste avant, il n'y a pas de problème, même là, je vous dis, c'est normal les gars, c'est quand même une dinguerie ce qui lui arrive aussi. C'est pour ça que je vous dis, donc, par rapport à cette histoire-là, j'ai défendu Eto depuis le début contre justement le ministre du, du Cameroun, le président de la République camerounaise, qui justement veut imposer des choses à Eto, qui veut lui imposer de prendre un nouveau sélectionneur sans que lui choisisse le nouveau sélectionneur. Bref, des choses qui sont pas normales du tout. Mais c'est là, c'est là où ça a posé problème. Là maintenant, il va s'adresser au, au sélectionneur, au nouveau sélectionneur, qui est jusqu'ici, le mec il est arrivé, il n'a il a rien demandé à personne. Il y a une embrouille entre le ministre, enfin un gars qui est été envoyé par le ministre et le président de la fédération camerounaise, donc Eto. Sélectionneur, il est juste là, il fait acte de présence, il n'a rien dit, il n'a pas pété un mot. Et Eto, il va s'en prendre à lui. Et c'est là où Eto, pour moi, il a dépassé les limites. C'est vraiment là où il a dépassé les limites. Parce qu'encore une fois, le mec il est là. Il a été engagé, il a, il a signé son contrat. Il a rien de demandé à personne, lui il, il s'en fout, lui, de savoir que c'est le ministre qu'il choisit ou c'est le président qu'il choisit. Moi, demain, par exemple, j'ai une opportunité de travailler avec le Cameroun, par exemple. Si j'ai une lettre dans, dans ma boîte aux lettres euh, qui vient de, de la présidence du président du Cameroun, qui vient de la, du président de la fédération camerounaise, qui vient de n'importe qui, tant que c'est un contrat concret qui est posé devant, euh, devant mes yeux, moi, je m'en fous complètement de savoir que c'est qui qui l'a signé, les gars. Bien sûr que ça je pense que c'est le cas pour n'importe qui C'est pas son problème au sélectionneur Encore une fois c'est pour ça que je le défends par rapport à ça Même si Pour moi Il n'est pas forcément légitime pour entraîner le Cameroun Pour moi je trouve qu'avec ses compétences, avec ses qualités En tant qu'entraîneur il n'a pas suffisamment prouvé Pour entraîner une équipe comme le, comme le Cameroun Mais bon après voilà ça se refuse pas C'est tout à fait normal qu'il qu accepte encore une fois Mais voilà justement ce qui est dommage C'est le comportement des taux avec lui Et Je vous laisse voir Soit vous restez, soit vous ne me touchez pas Voilà Voilà ne me touchez pas. Voilà, c'est là où Eto va un peu, un peu trop loin dans, euh, dans son excès d'orgueil, son excès son ego surdimensionné, son vrai problème qui lui qui lui correspond. Parce que je vous dis moi Eto, je vous dis j'ai côtoyé des personnes qui ont travaillé, qui ont joué avec Eto. On m'a souvent raconté des anecdotes de de fou sur, sur lui-même, sur Eto, par rapport à son ego surdimensionné les gars. Je vous le dis, ce mec est complètement fou. Ce mec à un ego qui est vraiment, vraiment surdimensionné. Et, et tout ça, ça va se voir dans cette vidéo, les gars. Vous allez voir. Parce que là, le ne me touchez pas, c'est déjà, déjà quand même une dinguerie. Mais ce qui va suivre, ça va être encore pire, les gars. Ce qui va suivre, ça va être largement pire. Parce que déjà, ça, je vous dis, t'imagines, t'imagines, t'arrives. Il y a un gars, il est là, il te parle. Euh, il s'adresse à toi, tu et toi, tu le touches. Mais je veux dire, on voit bien que c'était pas agressif. C'était une tape amicale, ou voilà. Moi-même, en plus, ça m'arrive. Moi-même, je peux être un peu, je veux dire... Euh, je ne vais pas dire tactile, mais voilà. Quand je parle avec quelqu'un, ça peut m'arriver, par exemple, de le tenir par l'épaule, ou euh, voilà, quand je dis bonjour à quelqu'un, tu le tiens tu, tu aussi par l'épaule aussi. C'est des choses que tu fais comme ça sans te rendre compte. Et que lui te dise ne me touche pas, comme si c'était la reine d'Angleterre, ou comme si c'était je ne sais pas quoi, les gars, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Ça, c'est, je pense, le pire manque de respect que tu peux avoir envers une personne. Qu'une personne te dise ne me touche pas, vraiment, c'est te considérer. Pire qu qu'un chien, au final. Tu te dis quoi Moi, j'ai quoi pour. Je me lave pas pour que je puisse pas te, te toucher ou, euh... Je parle pas dans une situation où, par exemple, les deux s'embrouillent euh, et qu'il y en a un, il vient le toucher parce qu'il veut le pousser ou parce qu'il veut être agressif. Ben, c'est différent. Mais quand la personne. Elle elle montre pas forcément d'animosité, elle est là, elle te touche et tu lui dis ne me touche pas. Oh là, c'est une dinguerie, les gars. Je vous dis, c'est une dinguerie. Regardez. Regardez bien pour voir que. À quel point il n'y avait pas d'agressivité justement dans le contact avec le sélectionneur de, de Cameroun. La fois vous avez vous, avez... vous, ah, vous priez, monsieur le Soit vous restez, soit ne me touchez pas. Voilà, il veut un peu, en fait il veut un petit peu le rassurer. Il est là, il dit calme-toi, tranquille. Mais, de manière gentille, on le voit bien. On le voit bien, le mec est complètement dépassé par les événements. Il est choqué presque le, le sélectionneur. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait... Vous voyez, vous voyez comment... Il essaie de s'autoconvaincre d'une situation qui est l'inverse de ce qui est la situation réelle. Il essaie de s'autoconvaincre de l'inverse en fait. Beaucoup de manquements et je voilà. vous prie de rester dans cette réunion parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif, comme la loi me demande. Donc je vous prie. Regardez donc encore une fois, il, il est là. Franchement, il a un très bon self control, le, le, le coach belge. Hein. Il a vraiment un très très bon self control. Le mec, il est là, il lui met un coup de pression, il lui dit ouais, si vous si vous respectez pas, je, je vais parler avec mon comité exécutif, bref. Je comme ça, il lui dit ouais, ok, pas de problème, vous avez le droit. Vous avez le droit de faire ce que vous avez à faire, vous avez le droit de me, me mettre un coup de pression, vous avez le droit de me, mettre, me faire des sanctions disciplinaires, etc. Il est très pro jusqu'à la fin, et c'est pour ça que je comprends pas, et c'est là où je vous dis que Eto, pour moi, il a complètement craqué, il est complètement devenu fou, c'est qu'il monte en tension tout seul. Parce que si je, derrière le coach... Il avait surenchéri et que Eto montait un petit peu dans les tours. Je vous dis, il n'y a pas de problème. Mais un gars qui, pour moi, je vous le dis la vérité, hein, je vous le dis comment je vois les choses, un gars qui s'embrouille avec un autre gars, mais que l'autre, la personne qui est en face de lui, elle réagit pas et que lui, il monte en tension tout seul, il s'énerve tout seul. C'est ce gars est pas, est pas, normal dans sa tête, les gars. Je vous le dis, c'est que le, le mec a un problème. Une fois de plus. Voilà. <laughs> Là, clairement, c'est vrai qu'il y a une petite balle perdue de la part du coach. Mais c'est réel. Ça fait deux mois que je suis là. T'étais où On ne s'est jamais vu. Mais c'est vrai que c'est une dinguerie. Ça, c'est vrai que là, le coach belge, par rapport à ça, il a raison. Il a raison. C'est vrai que. Encore une fois, le mec, il est arrivé, c'est le nouveau sélectionnaire du Cameroun. Il n'a jamais vu une seule fois son président de la fédération. C'est pas normal, les gars. Je suis désolé, c'est pas normal. Ok, Eto ne cautionnait pas. Il était pas content que. Le coach belge est arrivé sans, sans son accord, d'accord, c'est une chose. Mais alors, à ce moment-là, soit tu quittes le navire, tu quittes la fédération, tu quittes ton poste de président de la fédération, ou alors tu acceptes la situation comme elle est et tu commences à travailler avec ton coach. Donc ça veut dire que là, maintenant, il n'y a même pas eu de, de rendez-vous où ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont rencontrés, où ils ont. Anticiper un petit peu l'avenir de cette sélection camerounaise, les gars, si aujourd'hui j'étais camerounais, je serais pas serein du tout. Dans une semaine, tu as les qualifications pour la Coupe du Monde 2026, et là, tu te rends compte que le président de la fédération et le nouveau coach, ils sont même pas discuté des objectifs, du projet sportif. De... Vous imaginez la dinguerie ou pas, les gars pas la politique non, non, au Cameroun. Beaucoup, non, non, y a voilà, déjà, en quoi c'est faire de la politique de dire ça Je vois pas en quoi c'est faire de la politique. Vous voyez comment il est parano ce, par rapport à sa situation de euh, du gars qui a euh, qui, qui est euh, qui est le chef en fait tout simplement. Il est parano par rapport à ça, comme si je vous dis, il avait l'impression que son autorité était remise en question, alors que en soi c'est pas le cas. À aucun moment il lui a dit non, je fais de la politique ou que t'es pas t'es pas un président, t'es pas un bon président ou quoi que ce soit d'autre. Il lui a juste dit il y a une situation qui est pas normale, ça fait deux mois que je suis là, on s'est pas encore vu. Et c'est moi qui décide. À la fin, qu non, non, vous ne décidez pas. Non. Voilà, là. <laughs> Et là, c'est là où clairement Eto a montré son vrai visage, les gars. Voilà, je vous ai parlé de Rigobertson en début de vidéo, par rapport à l'ancien sélectionneur, par rapport à son bon traitement avec Eto, par rapport à ses... Voilà. Sélectionneur du Cameroun a dit, ok, tel chef, il y' a pas de problème. C'est ce qu'il a dit, hein, le, le coach belge. Il a dit, c'est toi le chef y a pas de problème, je ne remets pas du tout en question la politique ou quoi que ce soit, mais c'est moi qui décide par rapport aux joueurs que j'utilise. Regardez ce que Eto, lui dit. C'est pas toi qui décide, il lui dit. Il lui dit, c'est pas toi qui décide. Il dit, il dit à un coach, c'est pas toi qui décide. Un coach, un sélectionneur, c'est dans le nom, un hein, sélectionneur, il dit, c'est pas toi qui décide qui tu sélectionnes. Voilà les gars. Et ça me prenait pour un fou quand je disais que c'était Eto qui faisait la compo de, de Rigo Bersong. Ça me prenait pour un fou. Ça me prenait pour un complotiste. Ça me disait « Ouais, non, mais t'abuses. Ouais, non, mais t'aimes pas le Cameroun. Ouais, mais non, mais t'aimes pas Eto, Ouais, mais non, mais si, ouais, mais ça. » Dès que Song est arrivé, après son premier rassemblement, je me rappelle, c'était en 2021. Je m'en souviens bien parce que c'était le jour où j'étais parti au Mexique. Et je me souviens très bien que, juste avant de, 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 de prendre, de prendre l'avion pour aller au Mexique, j'avais fait un tweet par rapport à ça en disant, en parlant de, de Song en fait, tout simplement en disant on savait très bien qu'aujourd'hui, Rigobertson était juste la marionnette de Eto. C'est comme ça que je l'ai appelé de, pendant tout son, son passage à, avec cette sélection camerounaise. Pour moi, j'avais dit Rigobertson, c'était juste la marionnette de Eto. C'était Eto qui faisait, euh, qui faisait les compos, qui faisait les listes et tout ça. Et Rigobertson était juste là, voilà, pour faire le petit pantin, pour faire euh, plaisir à la presse et tout ça. Et ça, c'était visible à l'œil nu, les gars. C'était visible. Ça se voyait à 10 000 kilomètres. Et là quand tu vois qu'il veut faire la même chose avec le nouveau euh, sélectionneur Ça donne juste raison à cette situation les gars Et là il le dit clairement Il le dit clairement Il a dit voilà C'est pas vous qui faites la compo Regardez ce qu'il dit Parce que ce que vous vous faites monsieur le sélectionneur C'est moi qui l'assume C'est moi Et voilà Parce que sous prétexte que Le coach Si le coach fait des erreurs Ça va retomber sur, sur Eto en tant que président de la fédération Voilà Eto se dit Non c'est moi qui va choisir Les, les compos C'est moi qui va choisir les, les listes Et tout ça Voilà voilà les gars, voilà, c'est là où. On... Et toi, montrer, c'est encore une fois ses limites en tant que président de la fédération camerounaise. C'est là où il a montré vraiment que il avait complètement craqué. C'est là où il a montré clairement que le, le pouvoir lui est monté à la tête. Je suis désolé les gars. Le de la fédération. En 2024, ça c'est pas normal du tout. Un président de la fédération qui t'avoue clairement devant tout le monde et qui te dit voilà, aujourd'hui c'est moi qui choisis les compos, c'est moi qui. C'est pas normal ce que vous, vous faites c'est moi bien qui l'assume que... ce n'est pas vous dans votre pays bien je bien ne bien le fais pas et vous ne me parlez pas comme ça monsieur non, le sélectionneur n'oubliez pas en tant que footballeur non, vous non, vous, non, vous non, ne pouvez non, jamais non, me non, parler non, 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 donc mettez vous voyez regardez Lego en tant que footballeur vous ne pouvez jamais me parler qu'est-ce qu'il raconte les gars qu'est-ce qu'il raconte vous voyez regardez comment il prend les gens de haut comment il traite les gens comme si c'était je sais pas quoi les gars il traite les gens comme des chiens en fait oui et j'ai été très très grand joueur il se sent obligé de le rappeler qui aujourd'hui va douter de ça et c'est là où ce qu'on se rend compte encore une fois voilà j'ai été un très très grand joueur ça montre vraiment encore une fois son, son ego Pour, pourquoi tu obligé de rappeler ça je comprends pas d'où aujourd'hui ça peut franchement on va parler encore une fois français et on va se mettre à la place des camerounais parce qu'aujourd'hui c'est ça le, le plus important Qu'est-ce que ça peut apporter aujourd'hui à la fédération camerounaise, à la sélection camerounaise tout simplement, que ça a été un très très grand joueur Ouais, c'est vrai, c'est une réalité qu'on ne doute pas, on n'en doute pas du tout. Mais ça va apporter quoi, les gars Je ne comprends pas. Je ne comprends pas Eto à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça va apporter Là aujourd'hui, tu as une situation qui est dramatique au, au Cameroun, au niveau sportif. Avec euh, un sélectionneur qui a été choisi, qui ne devait pas être choisi. Avec un deuxième sélectionneur qui a failli arriver, qui est pas, pour finir, qui n'a pas qui n'est pas arrivé, des matchs de qualification pour la Coupe du Monde qui vont arriver dans une semaine, et aujourd'hui, Eto, la seule chose qui, qui semble importante pour lui, c'est de rappeler que c'est un très très grand joueur. Xavi aussi, ça a été un très très grand joueur. On a vu ce qui s'est passé au Barça, les gars. Donc au bout d'un moment, ça ne veut rien dire du tout. Là, vos carrières de très très grands joueurs, il faut les laisser derrière vous. Là maintenant, une fois que vos carrières de très grands joueurs sont terminées, il faut repartir à zéro. Il faut apprendre à partir à zéro. C'est ce qui repartent à zéro après leur carrière de très grands joueurs, qui font les meilleures choses. Tout simplement, les gars. C'est vraiment ça le problème de d'Eto, encore une fois. Mais bref, donc voilà. Encore une fois, je vous dis, c'est là où personnellement, j'ai été vraiment encore très déçu de la part d'Eto. J'ai eu une déception déjà de base par rapport à sa gestion avec Rigo Bersong. Le fait que il choisissent Rigo Bersong en tant que marionnette, comme je vous dis. Le fait que c'est lui, que ça a toujours été lui. Qui faisait les choix par rapport à cette équipe camerounaise en coulisses ça ça a été quelque chose qui m'a toujours déçu par rapport à Eto un gars comme lui comme il dit qui a été un très très grand joueur pour pas dire le plus grand joueur de l'histoire du football africain mais qu'aujourd'hui fasse des choses qui sont totalement dépassées des choses qui ne doivent pas être normales qui sont pas normales plutôt en 2024 des choses que tu voyais peut-être il y a 20 30 ans d'ici qui étaient normales il y a 20 30 ans d'ici mais qu'aujourd'hui sont pas normales et ça à la place de faire avancer les choses de voir que ce très très grand joueur, comme il peut dire, te fasse reculer les choses, c'est ça qui pour moi n'est pas normal du tout, les gars. Je vous dis, c'est pas normal du tout. Et après ça, malgré tout, je vous dis, et Eto, il avait tout mon soutien par rapport à cette histoire, par rapport au fait que on choisisse un entraîneur contre son, son plein gré. Mais là, encore une fois, il a perdu toute sa classe, il a perdu tout, tout son discernement. Après, peut-être que c'est moi qui, euh, qui en fais trop, peut-être que ça vous semble normal. D'ailleurs, dites-moi de vos avis dans les commentaires, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. On en reparlera peut-être un de ces jours en live. D'ailleurs demain, euh, il y a de grandes chances qu'on fasse un petit live. Ça fait un petit moment que j'avais plus fait de live. On va reprendre ça demain tranquillement avec euh, un petit live assez, assez libre sur plusieurs sujets qu'on pourra aborder. Donc à très très vite et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.